Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve en ce week-end. Nous sommes samedi, c'est le matin, je viens de me dire qu'il m'a manqué une là, voilà. On est dans le salon tranquillement, on est depuis un moment, hein, même si on a eu les copains qui sont arrivés vers presque 21h. Du coup on a Aurélie, ma fille se déshabille, tout va bien. On a Aurélie et sa petite fratrie qui est arrivée à la maison, sa petite famille. Et du coup, il loge en bas dans l'appartement du bas, parce que du coup, pour le moment, l'appartement n'est toujours pas cassé. Donc, du coup, c'était vraiment l'occasion. Tu veux que t'en rabonnes, mon gars ? Quoi ? Tu me fais une autre construction ? Non, je fais celui-là. Bah, fais celui-là, vas-y, mon cœur. Donc, du coup, les enfants étaient tout contents de les voir, donc ça fait coucher presque minuit. Et malgré ça, debout 7h40. Le réveil automatique, il ne se décale absolument pas. Donc bon, je pense que cet après-midi, j'aimerais qu'il dorme, mais je sais qu'Eden, pourquoi il ne veut pas faire net sur moi. J'aimerais qu'il dorme, mais je pense que ça va être très compliqué parce qu'avec les copains à la maison, ils ne vont pas vouloir. Donc, et sachant qu'on reçoit encore plus du monde ce soir, il y aura 11 enfants à la maison. Wouh ! J'ai jamais eu autant de petits chez moi. Enfin, surtout qu'on n'est pas en période d'été, donc ça va être là à l'intérieur. Donc du coup sur les conseils d'une des mamans qui a 4 loulous, elle m'a dit Laure, si t'as beaucoup de jeux, enlève certains bacs pour qu'il n'y en ait qu'une partie, comme ça au moins ça fera moins de bazar, etc. J'ai suivi ses conseils. Bon du coup ma fille a renversé un des bacs, donc des petits personnages. Du coup niveau jeu, je disais, bon Lily m'a renversé un des bacs des personnages, mais j'ai laissé juste deux bacs de personnages. Comme il y en a des plus grands, j'ai laissé tout ce qui était Playmobil, voilà, avec tous les petits accessoires, bancs, tables, etc. Et un avec, pour les plus petits, avec des petits personnages, mais il n'y en a pas 50 000. Un bac où il y a les dinosaures et 2-3 poupées, un bac de voiture et tout le reste, il n'y a plus. J'ai viré le second bac de véhicule. Et j'ai enlevé là, il y avait un bac de poupées, etc. Que j'ai enlevé. Un autre bac de personnages, un bac de jeux bébé, enfin de jeux plus petits. Donc comme c'est Lily la plus petite et qu'elle y joue quasiment jamais, voilà. Et du coup ça laisse quand même pas mal de jeux. J'ai laissé les gros univers au-dessus. Et voilà, là il y a le train, là il y a la licorne VTech. J'ai laissé le garage, j'ai laissé Monsieur Patate. Et j'ai laissé les déguisements et les duplos. Voilà, avec les livres. Ce qui fait quand même au final quand même moins de jeux. Je dirais que j'ai divisé par deux le gros pôle lumineux et je les ai stockés et cachés dans l'armoire avec des trucs dessus pour qu'au cas où ils ne les voyaient pas. Je pense que c'est la bonne astuce parce qu'au moins il y aura moins de bazar et puis peut-être qu'ils se centreront plus sur certains jeux. Ils sont quand même 11 donc j'ai pas non plus trop enlevé, ils auraient été 4-5. J'aurais peut-être enlevé un bac en plus, enfin du coup peut-être divisé encore en plus certains bacs histoire qu'ils se sentent sur les jeux et qu'ils s'éparpillent moins. Mais là ils sont quand même 11 donc je veux que chacun puisse avoir son petit coin. Puisque la tranche d'âge... Il va y avoir un bébé, le bébé d'Olivia, donc bon c'est pas elle qui va foutre le bazar. Mais sinon la plus petite qui va être dans les jeux ça va être Lily Rose de 2 ans et demi. Et le plus grand c'est Ilan qui a 10 ans. Et ils sont tous au milieu, il y en a 2 de 7, 8, 3 de 7, 8 ans. 1 6 ans, 2 presque 5 ans, 3 2 1, ouais, je me suis perdue, je connais pas les âges de tout le monde, mais je sais que voilà, c'est tout dans cette tranche là, donc du coup ils vont bien jouer ensemble, ça va être chouette, mais voilà, ils vont avoir besoin quand même de pouvoir chacun se faire plaisir dans un univers, un petit dragon là. Donc voilà, du coup j'ai fait ça ce matin là tranquillement, comme ça au moins tout à l'heure quand ils viendront nous rejoindre, déjà ça sera plus simple pour les rangements, parce qu'hier j'avoue que j'ai passé bien 3/4 d'heure à minuit pendant que les enfants s'étaient endormis dans les lits à ranger. Bon, je vous reprends depuis la cuisine, j'avais une petite playlist là de reggae, c'était celle-ci d'ailleurs, ça a changé. Il est 11h11, j'ai les 4 petits bouts là qui sont remontés de l'appartement, ils sont tous sortis de la douche, ils ont les cheveux encore un peu mouillés, donc ils sont en train de jouer là-bas dans le salon, je crois qu'ils ont sorti la pâte à modeler. J'ai vu un groupe sur la pâte à modeler. J'ai du coup moi lancé, enfin commencé à préparer ma purée, elle est en train de, enfin mes patates sont en train de cuire au Moulinex. J'ai fait une première fournée parce que bah, il a quand même une certaine capacité de contenance, mais pour 6 enfants et 3 adultes, c'est pas suffisant. Donc du coup là je lance une première fournée de patates à cuire pour faire la purée pour les loulous. Enfin, je vais voir ce que ça donne derrière, c'est eux qui vont manger en premier. Et après je referai une fournée de patates, j'avais prévu large pour faire une deuxième purée. C'est purée saucisse de Toulouse pour ce midi. Comme j'ai dit, j'ai tabulé sur des choses simples. Après ce soir de base, comme avoir plusieurs enfants, j'avais prévu omelette haricots verts. Donc omelette haricots verts, ça sera demain. Parce que le soir on essaye, il y a des fois il y a de la viande, hein, mais on essaie de faire un peu moins de viande.
J'avais prévu au cas où une sorte de moussaka maison pour le dimanche midi. Donc, du coup, je la ferai sans doute dimanche soir. Donc, c'est moi, la moussaka maison, elle est très très simple. C'est des lamelles fines d'aubergine. Je mets du hachis parmentier. Enfin, du hachis parmentier, n'importe quoi. Je mets de la viande hachée. Et ensuite, je fais un mélange crème fraîche, coup de tomate avec du coup un peu de poivre, un peu de sel. Et je mets une couche d'aubergine fine. Ensuite, je mets ma viande hachée. Je mets une couche de crème avec. Donc je mets la crème légère, des fois même je mélange avec du lait si je vois que la texture je la trouve pas assez liquide. Et une fois que j'ai fini, je fais plusieurs couches comme ça, et après je mets un petit peu de gruyère râpée par dessus et ça part au four et ça fait un plat unique, c'est très bien. Bon, on a les deux Eden qui jouent là, ils font du sable magique. On a déjà mangé, c'est l'après-midi. Tu fais du sable magique, mon cœur? Et là-bas, les petits bouts, ça regarde la télé. Ceux-là, on les a perdus. Hein. On a mis dragon. Bon, au vu du beau temps, on a fait ressortir Lou. Ah, il y a une petite zouzou là-bas qui filme. Coucou! C'est hyper agréable qu'il fasse bon. Je vous ai pas dit d'ailleurs, hier avec ma mère, on a déplacé la grosse branche de sapin qui est tombée. Parce que du coup, Anto avait pas encore eu le temps de l'évacuer. Et mine de rien, tout seul, l'une ou l'autre, on n'y arrivait pas. Donc on s'est mis à deux et on a pu la déplacer. Parce qu'on voulait pas que les enfants jouent directement dessus. Et voilà, qu'ils puissent, par exemple, comme fait Eden. Vous savez que Zozo, quand parmi ses quatre enfants, il y en a qui s'appellent comme le mien, Eden. Et voilà, et du coup ça joue là-bas. On n'a même pas besoin de sortir les manteaux pour vous dire à quel point il fait bon. Je vous avais dit qu'il y avait une des planches qui avait été pétée avec la chute. Donc du coup, on a l'impression que la zone est devenue un peu fragile à ce niveau-là. Donc on a mis ça pour que les enfants n'y aillent pas. Après, tout le reste de la zone, on peut sauter, ça bouge pas. Ça va, petit zozo? Et du coup, voilà, là, il y a la petite famille qui joue tranquillement dans l'air de jeu. Bon, ils m'ont tout ressorti ce qu'on avait rangé, mais bon, c'est le but aussi, quoi. Voilà. Bon, on fait les magasins, on a embarqué mes mères avec nous. On fait pour ce soir, pour faire l'apéro dînatoire. Et on est en train de chercher le truc. Et comme c'est pas un où je vais régulièrement, je ne sais pas. Zozo, je vais aux apéros, moi. Bon, je cherche les sauces. Apéro, c'est là. Regardez, ça y est, tous les petits copains sont là. Ça y est, on a la petite tribu des 11. La 11e, elle est là-bas. Mais on a réussi à rentrer tout le monde là. Et on a mis la petite table du coup derrière. Voilà, on a fait un sort d'apéro dînatoire. Bon, il n'y a pas tout encore, il y a des pizzas qui chauffent. Et voilà, on leur a mis un petit film pour les poser, parce que c'est vrai que 11, voilà, après ils vont pas tous suivre. Moi je pense que Lily qui est là, d'ici 10 minutes, risque de quitter l'écran la connaissant. Mais voilà, au moins ça, pour les plus grands, s'ils ont envie, ça peut être sympa. Allez, bonsoir, il est minuit 7. Bon, je vous prends 2 minutes, là je vais aller à la douche, etc. Après, je suis toute fou, la caméra, elle veut même pas entendre quoi que ce soit. Minuit 10, tout le monde est couché là, les enfants. J'ai des nouvelles d'Anto, il devrait arriver vers 2h du matin, donc du coup, je vais pas l'attendre. Parce que j'avoue que là, ça fait 2 soirs qu'on se couche quand même bien tard, et moi, les enfants ont quand même le rythme habituel à se lever tôt. Donc, comme demain matin, c'est moi qui vais me lever, parce qu'Anto va rentrer très tard, donc il va se reposer un peu, loulou. J'ai quand même besoin minimum d'heures de sommeil, parce que sinon ça va quand même taper. Hop. Donc voilà, c'était très très chouette, même avec tous les loulous. L'astuce franchement d'Olivia de réduire par 2 les quantités de jeux a fait clairement mais un effet de fou. Franchement, c'est un truc auquel j'aurais pas du tout pensé. Enfin, que je n'avais jusque là jamais pensé. Et c'est vrai que c'est très pratique, parce que du coup forcément, ben, ils mettent genre beaucoup moins le bazar, parce qu'il y a 11 enfants, enfin 10 parce qu'il y a un bébé de 6 mois, donc c'est pas elle qui a foutu le bazar. Mais à 10, bah, franchement, en 5 minutes, c'était torché. Donc ça, c'est vachement bien. On a bien profité. C'était un chouette moment. Et puis voilà, du coup, là, moi, je vous retrouve tout de suite pour vous. Et pour moi, ça sera demain après une nuit. Il y aura chouchou demain. Donc ça, c'est cool. Coucou, vous. J'espère que vous allez bien. J'ai une petite zozo ici avec petite Nana qui sont posées. C'était des jippies, bah. Les autres, ils sont en train de jouer dans la chambre. Alors ce matin, j'ai tenté une première. Anthony est rentré dans la nuit, il est rentré assez tard. Le pauvre, je crois qu'il est rentré vers 2 ou 3 heures du matin. En plus, avec le changement d'heure, du coup, c'était 3 heures. Ça aurait été 2 heures si on n'avait pas changé d'heure. Je crois que c'est dans ce sens-là, le changement d'heure. J'ai pas suivi, bref, tous les trucs électroniques se sont tous réglés. Donc voilà, les enfants se sont levés à l'heure où c'était affiché. C'était 7h40, donc je pense que c'était 8h40 en ancienne heure. Qu'on a reculé d'une heure, donc du coup ils ont dormi un peu plus du fait qu'on soit couché tard. Avec un peu de chance, ils sont décalés. En tout cas, là ils réclament pas à manger,
alors que pour eux c'est un petit peu plus tard dans leur tête normalement. Donc nous, changement d'heure, c'est très bien fait ici à la maison pour le moment, donc ça c'est chouette. Et ce matin, hier j'ai pas eu le temps de les doucher parce que du coup avec le monde etc, donc je les ai douchés ce matin et moi je me suis lavé les cheveux en même temps, donc eux ils étaient dans le bain et moi j'avais ma tête qui était penchée par-dessus la baignoire pour me doucher les cheveux. Ouais, ça s'est bien fait hein, franchement, j'avais jamais testé les mettre dans le bain pour les laver et moi me laver les cheveux, c'est-à-dire que j'étais habillée mais j'avais juste ma tête qui penchait dans la baignoire quoi. Donc voilà. Voilà un petit peu l'expérience de ce matin, ça les a bien rire du coup, surtout Eden qui essayait de mettre ses mains sous mes cheveux pour pouvoir s'amuser avec l'eau qui coulait. Voilà, donc du coup ce midi ça va être light au niveau nourriture, on a prévu, je vous ai dit haricots verts, mais il y a des pizzas à finir. Donc on va manger pizza, parce qu'il faut les passer, parce que c'est des pizzas congelées. Le repas de ce midi, on a pris des concombrières avec, on a mis chou-fleur, carottes, des petites sauces et des petites pizzas, ce qu'il faut finir, enfin faut les passer quoi pour ce midi. Voilà voilà, pour essayer quand même de manger un peu plus sain après l'apéro dînatoire d'hier soir quand même. Qu'est-ce qui tourne là, je vais retourner le soir mais je pense que je ferai plusieurs tours parce que j'ai pas fait du week-end. Bon, pour moi il est 5h30, avec le changement d'heure, bah, du coup il fait déjà beaucoup plus sombre, rien de bien dramatique. Les enfants sont en train de jouer, les copains sont partis vers 15h, parce qu'ils ont 25 heures de route, parce que Zozo elle habite à 1h au sud de Paris. Donc voilà, du coup tranquillement, pour pouvoir rentrer chez eux, parce que bah, demain il y en a qui ont besoin de... Enfin, pour le boulot, hein, tout simplement. C'était bien chouette, ça nous a fait du bien, voilà, on était bien contents. Du coup là j'ai lancé une lessive tout à l'heure, donc je vais l'étendre, je posais mon portable parce que j'avais baladé ma panière. Niveau rangement on n'est pas trop mal hein. Franchement là il reste juste les enfants qui ont goûté, donc il va falloir que je range derrière. Là-bas bah, ça n'a pas bien bougé, c'est les jeux. Là il reste juste 2-3 jeux qui traînent et on sera bon niveau rangement. Là vous voyez c'est pareil, j'avais prêté un pantalon à Nana, donc là il est tombé par terre, il y a 2-3 petits jeux et puis sera pas mal, j'ai fait le tour de la chambre des enfants, c'est rangé, la nôtre, il n'y avait pas de bazar de toute façon, donc nickel. Et bonsoir. Bon du coup ça y est, il est 20h53, Lily Rose dort pas encore. Pas encore. Pas encore, bébête, ouais. Elle a un peu plus du mal à lâcher. Regarde, elle est déjà en train de courir dans la chambre pour aller ouvrir la porte. On l'entend. Bon du coup elle va finir par lâcher prise à un moment, il faut le temps. On voulait juste clôturer le vlog, toi t'as... Du coup c'était le rallye d'Espagne en fait, c'est ça? Championnat du monde rallye d'Espagne. Voilà, j'avais pas dire le nom de là où tu étais parti. Je sais que c'était un rallye, mais je sais pas le nom. C'était pas un rallye. C'était un gros rallye. Un gros rallye, voilà. L'avant-dernier de la saison. Et celui. Comment dire, il y avait des celui qui a titré le champion du monde. Il y a tous les plus gros là. C'était très très bien. On a très très peu dormi, mais c'était très très bien. Là, tu vas récupérer. Tu me disais que vous avez quoi, dormi 3 à 4 heures parmi. Oui, parce qu'on se couchait à 3-4 heures du matin, forcément, on va faire la fête pour se lever pour aller sur les spéciales. Donc le maximum, c'était 9 heures. Debout. 9 heures debout. Mais il y avait couché 4 heures souvent, donc du coup, ça fait pas beaucoup. Enfin oui. Bref, vous avez passé un bon rallye parce que c'était pas week-end. Après, toi, t'es arrivé, on a eu Zozo, du coup, t'as pu avoir quand même un peu les copains à la maison. Ouais. Donc voilà, c'était une fin de semaine bien sympa, bien remplie. Et là, nous, on repart 3 jours semaine prochaine en vacances au Puy du Fou. Vous avez parlé du Puy du Fou. Donc, du coup, on va pouvoir aller découvrir ça. On a hâte. Un petit week-end allongé. Petites vacances pendant les vacances. Ouais, c'est ça. Donc, bon, bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Mmh.